Let's dance, 'cause tonight we're firebreak. Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'est retrouvé pour la ferme Aucune Limite, comme tous les mercredis pour le coup. Donc du coup, la dernière fois on avait fait du foin, dans les deux derniers épisodes on a fait du foin et le pressé. Et commencé à le ramasser, donc du coup il restait debout, je les ai juste ramenés vite fait. Donc voilà, donc pourquoi je les ai mis là, parce que tout simplement, on va commencer peut-être à préparer petit à petit l'arrivée de nos pavaches. Donc du coup on va commencer à mettre peut-être du foin à l'intérieur. Donc du coup on va peut-être prendre le tracteur quand même, ça sera peut-être un poil plus RP. Parce que j'ai pensé à activer mon joystick. Oui, j'ai pensé à activer le joystick. Ah mais j'ai encore un axe de foin. Ah bah oui, parce qu'hier j'ai fait du TP. Et pour le coup j'ai oublié de remettre la commande. Oui, c'est ça qui est un peu chiant avec le mode TP. Avec un mode TP, donc l'appel que j'utilise en ce moment. Avec l'appel que j'utilise en ce moment, il y a deux axes que je suis obligé de changer entre les parties TP et la partie normale, parce que voilà, parce que l'appel elle est mise sur les axes, pas sur les axes de grue, mais sur les axes axes de chargeur pour le coup, pour la plupart, pour au moins deux de mes pelles. Est-ce que ça va marcher hein, si je les mets là? Non, parce que j'ai pas de botte. Ouais, j'ai pas de hache, donc j'ai pas de hache. Bon, au pire on va les mettre à l'abri là, comme ça on saura que la prochaine fois il y aura juste à les pousser en trigger pour que ça les prenne en compte. Hop, je vais prendre la deuxième, je vais mettre la deuxième à côté. Tac. Donc pour le coup j'espère que pour vous les amis, la série vous plaît toujours autant. Moi je pense que oui, parce que j'ai remarqué quand même depuis quelques semaines quand même, c'est sur cette série qu'il y a quasiment le plus de vues. Hein, je parle de vues en vidéo bien entendu. Donc pour la dernière épisode de la ferme Aucune Limite, on a atteint quand même les 184 abonnés. Les 184. Oula, écoutez la plaque. Donc du coup, non, c'est plutôt 184 vues et 10 commentaires sur la vidéo, ainsi que 25 pouces bleus. Franchement, c'est une des séries qui atteint le plus de vues. Pour le coup, il y en a peut-être d'autres aussi, peut-être une autre série aussi, mais pour le coup, j'ai remarqué surtout c'est celle-là qui est très souvent le plus entre guillemets apprécié. Donc franchement moi ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer, de vous faire de plus en plus de choses. Et j'ai mon lapin qui est en train de me troll parce qu'elle s'amuse à faire du bordel. Ah, peut-être parce qu'elle a plus à bouffer. Elle a plus de foin, elle me fait comprendre. Papa, mets du foin. J'ai faim. Donc du coup après le petit cut les amis, je reviens tout de suite, je vais lui mettre à bouffer parce que tout le monde elle va pas arrêter son bordel et ça va être super chiant. Hop, pour le coup me revoilà. Donc voilà, vous avez eu un petit cut pendant que j'allais lui donner à bouffer, parce que tout le monde elle arrêterait pas son bordel, ça aurait été gling 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 gling. Et voilà, donc du coup j'ai pas trop envie qu'elle me pourrit la vidéo. Donc du coup là maintenant on va aller faire un petit tour vers les poupoules, vers les poulettes, voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Il n'y a pas un petit truc ou deux à faire. Et pour le coup, on va regarder si on n'a pas peut-être une mission à faire. Parce que là, ce que j'aimerais bien faire sur cette série, c'est d'éviter au maximum d'avancer le temps. D'ailleurs, j'ai une botte de paille. Oh, c'est pas grave, ça fait une écho. D'éviter au maximum d'avancer le temps. Comme ça, pour faire au maximum réaliste, le plus souvent réaliste, hein, donc du coup voilà, entre temps on va avoir, je vais devoir faire des missions, je vais devoir faire plein de choses, donc du coup ça va me permettre de vous montrer beaucoup de choses tout en travaillant dans la ferme et en récoltant un maximum de pognon. Et pour le coup je crois qu'on n'a plus rien à foutre, hein, parce que là de toute façon j'ai pas assez de pognon pour faire quoi que ce soit. Les cultures, elles sont comment? Nos cultures sont en cours de croissance et j'arrive à peu près à se faire là, grosso merdo. Donc il y a pour un moment avant que ça soit prêt. Donc je pense qu'on peut se diriger quand même vers l'émission. Donc voilà, la dernière mission qu'on avait fait nous avait rapporté 2630 euros, sans compter le grain qu'on a pu vendre. Je crois même que je l'ai stocké, il me semble, je sais plus. donc du coup voilà,
Donc désherbage, bah pour le coup, champ 20, attends, champ 25, non c'est champ 29, il fait quelle taille champ 29? Parce que j'ai pas envie non plus que ça dure trop longtemps, surtout que ça, je sais que c'est assez long à faire en plus. Champ 29, il est où champ 29? Champ 29, il est là. Oh bon, ça va, il est petit. Enfin, petit... Allez, on se le fait, hein? On se le fait, et puis... comme ça vous, je vais vous mettre un petit accéléré. Donc on va faire emprunter les objets parce que je n'ai pas ça. Donc du coup le tracteur, on va le ranger, hein. On va le mettre ici. Il y a des poules. Ah, une poule. Et ça colle sur les pneus, c'est normal. Dégueulasse. Donc du coup, hop, on va popper dans le bon tracteur. Et il y en a un qui vient de passer. Évidemment, je pense que vous avez dû entendre le bordel qu'il me fait. Elle me dit pas que... Ah non, ça a pas pris. Vous avez déjà un contrat actif. Ah bon? Ah oui, obtenir, non, j'ai pas, voilà. Donc du coup, j'ai même pas accepté la dernière mission. donc du coup, emprunter les objets, voilà. Donc du coup, ça nous a fait un revenu supplémentaire de 2630 euros. Pour le coup, j'ai même pas fait gaffe que en fait le contrat, il était terminé, mais que j'avais complètement zappé de le récupérer en fait. Oula, c'est le bordel ici. C'est le bordel. Et monsieur le concessionnaire, c'est le merdier chez vous, hein. Serait peut-être temps d'investir dans un Caris, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui seraient tentés de me poser la question en commentaire, je vais tout de suite vous y répondre, hein, les amis. Beaucoup, non, j'ai pas encore reçu mon volant. On est mardi actuellement. J'ai toujours pas reçu mon volant pour l'instant. Je sais pas du tout quand je vais le recevoir. Normalement, il me dit samedi, mais bon, suivant les transporteurs, etc., ça dépend. Et a priori, ça serait la poste. Donc, ce que me disait Shadow en live, a priori, oui, pour le coup, là, il avait raison que c'était peut-être la poste. Qui... Enfin, pour le coup, pour l'instant, c'est la poste qu'il a pris en charge. Mais je sais pas après si ça va changer dans la suite. Ça m'étonnerait parce que généralement, si ça prend suivant le transport qui est choisi en début, ça va être la même chose en fin, jusqu'à la fin. Donc, à mon avis, je pense que c'est avec la poste. Et puis, avec la poste, bah, il faut pas être pressé du tout, hein, surtout qu'en ce moment on peut pas dire qu'ils ont eu une petite qu'ils aiment bien faire des petites grèves en ce moment, donc du coup ça prend encore plus de temps. Les colis ils restent pourrir dans un coin, ou même les enveloppes elles restent pourrir dans un coin, et puis voilà, on n'a pas ça à poster, terminé. Voilà, c'est pour rappeler un petit peu la petite le petit bémol qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai voulu expédier un courrier. Pour le coup, l'enveloppe est jamais arrivée. Enfin, on avait Ingrid et moi, on avait expédié chacun un courrier exactement le même jour qui devait arriver au même endroit. Pour le coup, il n'y a aucune des deux qui est arrivée. Et ça, je trouve ça extrêmement scandaleux parce que c'est pas normal. Normalement, quand on confie une enveloppe au service postier, normalement, il faut que l'enveloppe soit arrivée à destination. Après, je veux bien comprendre que une, ça peut arriver qu'elle soit perdue. Ok? Deux, c'est inadmissible, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Donc du coup, bah, par la suite, j'ai dû ramener un nouveau courrier. Celui-ci qui est arrivé vraiment, qui est arrivé à destination, mais qui a mis énormément de temps. D'habitude, ça met beaucoup moins de temps que ça. Donc je sais que c'est à cause des grèves que ça fait ça. Donc du coup, voilà. Je veux bien comprendre qu'ils veulent emmerder le monde parce que ils sont pas contents pour une chose. Mais bon, pour des choses aussi importantes que des courriers que j'ai eu besoin de transmettre. Enfin, des papiers que j'avais besoin de transmettre, c'était urgent, en plus très urgent. Franchement, là, ça m'a mis très en colère. Et bah, pour le coup, franchement, plus ça va, moins je fais confiance en la poste. Et ça continue comme ça, je crois que je vais même le service postal, je crois que je vais le faire moi-même. Si c'est pas très loin, je crois que je vais finir par le faire moi-même. Si je dois l'emmener plus loin, je ferai appel à un transporteur spécialisé, auquel que je sais que lui, au moins, il m'enverra à la destination le colis ou l'enveloppe à destination en très bon état, en bon état, tout simplement. Donc du coup voilà, c'est la petite parenthèse coup de gueule. Donc pour le coup, avant de passer sur un timelapse, les amis, on va commencer par les commentaires. Donc sur la dernière vidéo, parce que j'ai eu quelques petits commentaires assez sympatoches. Donc comme d'habitude, j'ai encore oublié de régler les paramètres, enfin de préparer les commentaires. Donc du coup voilà, je vais devoir faire au moins deux retours Windows parce qu'il n'y a plus de 10 commentaires, donc je les vois pas sur la même page. Je suis désolé, les amis. Au pire, je vais faire peut-être un petit cut ou je vais faire un petit...
Voilà, un petit truc speedoche. Je sais pas, je vais essayer de bidouiller ça comme je peux. Voilà, essayer de vous faire un truc propre. C'est pareil en montage. Pour ceux qui ont vu la nouvelle série qui est apparue hier, donc c'est une série TP pour le coup. Vous étiez nombreux quand même à me le demander. Donc, du coup, j'ai fait un petit montage. Voilà, j'étais plus soigné sur mon montage. Et j'aimerais bien savoir que vous me dites dans les commentaires de cette vidéo ou d'une autre vidéo, même celle de la vidéo d'hier pour ceux qui l'ont pas vue, comment vous trouvez le petit montage, si vraiment il vous plaît, si vous voulez que je continue à faire comme ça, si vous voulez que je fasse un peu moins de choses, que je fasse plus de choses, plus de style. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, franchement, je suis très très curieux de le savoir. Et bah pour le coup, on va passer tout de suite à la minute commentaire. Donc du coup, maintenant on va commencer avec Chelsea, comme toujours, hein, toujours. Toujours la première. Attendez, je vais peut-être faire un truc. Hein. Pour vous, il va y avoir trois retours Windows. Ah non, je peux pas faire de. Voilà, je peux pas régler. Donc du coup, on va commencer avec Chelsea qui m'a fait cool si tu peux faire du unboxing. Alors pour le coup, oui. Pour ceux qui sont pas au courant, qui ont pas vu peut-être cette vidéo-là. Oui, j'ai l'intention de faire du unboxing. Pourquoi? Parce que comme ça change un peu aussi du pur gaming, enfin du jeu. Et puis voilà, franchement, ça me ferait super délirer de faire ce genre de truc-là, de découvrir des choses qu'on m'envoie, ce genre de truc-là. Donc c'est pour ça que j'y travaille. Après, ça va peut-être pas pour le moment, ça sera pas peut-être très souvent, ça sera peut-être une fois par mois, deux fois par mois maximum. Je sais pas du tout. Tout dépendra si les différentes demandes de partenariat, les trucs, et selon les finances aussi que j'ai, parce que voilà, je n'ai pas forcément faire appel non plus à mes partenaires pour avoir des trucs gratos. Hein. C'est un peu normal aussi que je paye de ma poche certains objets, comme par exemple le G29 que vous m'avez aidé à acheter. Donc pour le coup, celui-là, ça va être la première vidéo unboxing pour le coup. Donc on va découvrir le colis ensemble. Là, c'est pareil, j'aimerais bien que vous me dites aussi dans ces commentaires-là, je le rappellerai dans la vidéo, je pense, si j'ai pas oublié, qu'est-ce que vous pensez du montage, qu'est-ce que vous pensez du concept, de la mise en scène, etc. Si ça vous plaît, bien sûr, je vais pas faire non plus un sketch complètement teubé. Ouais. J'ai pas même écrire un script et puis faire le débile du début à la fin. Voilà, c'est des petites choses que je vais faire qui va donner un petit peu de comics entre guillemets. Voilà, qui va donner un peu de comment dire, qui va rendre un peu la vidéo moins terne, moins chiante à regarder, qui pourrait vous faire un petit peu rire quand même, histoire de vous, bah voilà, que pour vous détendre, pour voilà, parce que après tout, enfin moi je dis toujours que quand je regarde un youtubeur, généralement c'est pour me détendre, c'est pour voilà, c'est pour pourquoi pas apprendre des choses aussi tant qu'il y être. Donc pour coup voilà. Donc du coup je vais faire cette vidéo-là, je sais pas quand, donc j'espère peut-être dans la semaine avec un peu de bol. Je l'aurai avant samedi mon colis, j'espère, je croise les doigts parce que autrement si je le reçois samedi dans l'après-midi, ça va être très chaud pour faire une vidéo, enfin quoique. Enfin, faire la vidéo, non, ça va pas être chaud. Mais par contre, la sortir avant le live, ça va être tendax. Ça va être chaud patate. Après, je sais pas, on verra bien, on va voir ce que ça donne. Hein. On verra bien quand je l'aurai, à quelle heure. Généralement, ça reste postal, c'est fin de matinée. Enfin, par chez moi, c'est fin de matinée. Début d'après-midi, donc du coup, on va voir. Donc, j'ai peut-être temps que je me bouge un peu le cul parce qu'il y a des commentaires à lire. Donc, du coup, on continue encore avec Chelsea qui me dit bonne vidéo, tant mieux pour ton volant, plus un like. Merci pour ton like, Chelsea, ça fait super plaisir. Et oui, pour le coup, voilà, vous êtes pour le reste, j'ai pas besoin de préciser quoi que ce soit. Donc, du coup, on va continuer avec Tony Max qui me fait coucou, super, plus un like. Bah, merci pour ton like, Tony Max. Pour le coup, je crois qu'en live, tu viens pas souvent. J'aimerais bien te voir un peu plus souvent, ça serait vraiment cool. Et tu m'as l'air de me suivre assez régulièrement quand même. Tu as l'air de regarder pas mal mes vidéos. Et ça me fait plaisir. Donc du coup, on va continuer avec Stéphane, le petit farmer charentais, qui me fait bonjour GG, super vidéo. Il y a des vidéos qui prennent des risques en moto. Attends, il y a des vidéos qui prennent des risques en moto pour rouler sur la route avant toi. Je veux voir que maîtriser très avec ton tracteur, gros pouce bleu. Alors, Stéphane, je sais pas si vous avez compris, les amis, parce que moi, en fait, j'ai pas compris. Voilà. Donc, du coup, la prochaine fois, s'il te plaît, que ça soit toi ou quelqu'un d'autre, les amis, essayez de vous relire un petit peu quand même. Moi, je suis même le premier à pas le faire. Ça, je le suis parfaitement au courant. Je suis le premier à pas le faire. Mais je me force à le faire quand même. J'essaie d'y penser, à me relire un minimum, parce que des fois je sais que j'oublie pas mal de mots et bah ça rend un truc dans ce style là, c'est pas top.
Du coup, voilà, si tu peux te relire la prochaine fois, s'il te plaît, que ce soit vous, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, ça m'arrange pour que je puisse lire vos commentaires, que ce soit compréhensible, surtout que je puisse répondre à votre commentaire. Du coup, on va continuer avec Kimi, une fois plus, qui vient très souvent sur les vidéos. Coucou GG, super vidéo, comme d'habitude, et un like de ma part. Bah, merci pour ton like, Kimi, merci pour ton soutien, merci pour tous vos soutiens, les amis. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes très nombreux à me... Enfin, vous êtes très nombreux. Vous êtes nombreux à me suivre. Je ne vais pas dire très parce que voilà, vous n'êtes pas non plus 50 000 à me suivre pour l'instant. Même si j'aimerais bien, hein, mais non, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc vous êtes quand même nombreux à me suivre sur tous les abonnements que j'ai. Vous êtes vraiment actifs. Et ça, franchement, c'est vraiment des abonnements que je recherche. Et ça, c'est vraiment super cool. Et je tiens quand même à vous dire un gros merci pour tout votre soutien et votre présence tout simplement sur la chaîne. Du coup, je vais avancer un petit peu. Voilà. Pour le coup, on va continuer avec Gab BBZ. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu un commentaire à toi. Là, tu me fais naïve, vide, bro. What? Pas compris. Vraiment pas. Voilà. C'est pas grave. Pour le coup, on va continuer avec Janou qui me fait salut GG, super vidéo comme d'habitude. Continue l'ami. Franchement, des commentaires comme ça, vous me donnez super chaud au cœur. Je sais pas pourquoi je me fais cher à mettre à cœur en fait. Enfin, si, au pire, je fais ça, tu vois. Je fais obtenir contrôle. Terminus, tout le monde descend. Et du coup, ça nous fait un revenu de contrat de 168 balles. Moi. Ouais. Ok, bon, on va choisir un autre vite fait, hein. Alors, on va peut-être se prendre un contrat qui rapporte du pognon. Pourquoi pas des choses qu'on a encore jamais fait sur cette partie. De la chaux, on a déjà fait. Du semi, on a déjà fait. Putain, le chaux, on est de balèze, hein, le 13, pour avoir un truc comme ça. Il est où le 13? Il est où le 13? Ah oui, non, il est pas si grand que ça, le chaux. Ah oui, quand même. Non, c'est pas grave. Du coup, on va regarder si on n'a pas quelque chose d'intéressant à faire. De la semence, du pulvée, du petit chômage, du labourage, du semis de maïs, de la patate. Ah, pour le coup, de la patate, dans cette série, je ne l'ai pas encore fait. Le champ me paraît pas énorme, il fait que 68 tares. Déjà, j'ai même pas regardé quel champ que c'était. Le 4. Ah, effectivement, il n'est pas grand. Allez, on se le farcit? Soyons fous. On se le farcit. Allez, hop, on se le farcit. Au pire, je vais aller chercher la benne du tract la benne avec mon tracteur à la maison pour rajouter du machin. Alors, pour le coup, l'hérofine, c'est pour aller avec celui-là. Hop. Donc, du coup, ouais, franchement, les commentaires que vous me laissez, c'est vraiment quelque chose de super génial. Vous êtes très nombreux à communiquer, vous êtes très nombreux à être joueurs entre guillemets sur les vidéos. C'est ça qui est vraiment super cool. Et pour le coup, tiens, j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires quel genre de style vous verrez bien dans cette série, quel genre de d'animaux vous aimeriez bien voir sur cette série. Parce que pour le coup, l'objectif de cette série, pour ceux qui le savent pas encore, c'est d'avoir une variété d'animaux large, donc c'est-à-dire d'avoir tous les types d'animaux possibles sur farming, à part les chevaux, parce que les chevaux c'est trop galère à faire. J'ai déjà essayé en live, on a déjà essayé, franchement j'ai pas le temps de m'en occuper parce qu'il faut les monter tous les jours, etc. Et au bout d'un moment ça va faire trop de répétitions, ça va être chiant, j'ai pas envie de faire de off, hein, franchement ça va me faire chier de faire du off. Et du coup, et surtout que j'ai pas le temps de le faire, voilà voilà où. Donc du coup on approche de notre fameux champ qui se trouve là. Hop, alors pour le coup, on va faire X et X, X, et on a que du X. Pardon. Donc du coup, on démarre le machin qui est devant, le machin qui est derrière, on le baisse, et puis on avance, et puis le machin qui est devant, on le baisse aussi parce qu'il faut faire, et puis pourquoi j'avance pas? Ah si, j'avance. Hop, donc du coup, on est parti, on est parti pour arracher, donc je vais essayer d'arracher au maximum que je peux, au plus propre que je peux, même si déjà dès le départ c'est mal foutu, c'est mal parti. Parce que je vais prendre un arbre. Hop. Bon, évidemment, on va essayer d'arracher comme on peut, les amis, hein.
Même si normalement le truc qui est devant, je n'ai pas forcément. Enfin, sur farming, il n'y a pas besoin. Parce que ça marche très bien sans. Le fanner, c'est pas une nécessité, mais bon. Voilà, ils le fournissent. Je vais faire avec. Donc, du coup, les amis, on va se retrouver pour un petit time-lapse. Pour voir un peu. Enfin. Pour que ça passe moins de temps. Pour qu'il y ait moins de temps avec vous. Ah non, si. J'ai vraiment besoin du. D'accord. Bon, bah, on va bourrer avant. Hein. Fait chier. Bizarre, parce que sur l'autre, j'ai pas besoin. Bon, c'est pas grave. On va faire avec, hein. C'est pas grave. Donc, pour le coup, les amis, je vous laisse avec un petit time-lapse. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, une avance rapide. Donc, du coup, je vous laisse avec la musique, bien entendu, qui va bien au bon moment et au bon endroit. Parce que j'ai remarqué la dernière fois, il y a un petit décalage avec le time-lapse et la musique. Ça, je trouve ça bizarre. Mais c'est pas grave. Je vais me rattraper pour ce coup-ci. J'espère que ce montage va vous plaire aussi. Et bon, bah, je vous dis. Bon, du coup, les amis, j'espère que cette petite avance rapide vous aura plu. Donc, pour le coup, j'ai dû décrocher l'arracheuse parce que voilà, c'est pas du tout adapté. L'outil devant n'est pas du tout adapté à l'outil qui est derrière. Donc, du coup, vu que l'outil derrière est décalé, ça m'a arraché qu'un rang. Et vu que c'est une deux rangs, je perds beaucoup plus de temps à faire comme ça. Et je perds beaucoup plus de temps à faire avec l'arracheuse directement derrière que à broyer d'abord et puis après. Et puis après arracher, donc du coup on arrachera dans le prochain épisode. On va essayer de finir le champ, même s'il reste encore un petit paquet à faire. On va essayer d'avancer, on va voir un peu qu'est-ce qu'on va faire. Hop, on va presser les oublis, c'est pas grave. On prend une patate près. J'espère que quand même, parce que beaucoup là vous aurez cette vidéo là mercredi, vous aurez aussi des petites nouveautés, peut-être une petite vidéo demain.
C'est pas sûr parce qu'il faut que j'ai le temps de la tourner, ça c'est pas, c'est moins, beaucoup moins sûr. Après vous verrez bien, normalement si vous avez une notif jeudi, c'est que voilà, vous avez une vidéo. Donc vous verrez bien, je vous en parlerai jeudi. Pourquoi après quel style de vidéo que c'est, ça vous aurez la surprise. Après pour les vidéos, pour les vidéos une unboxing, pour le coup vous aurez en double d'une vidéo que vous avez le matin, pour le coup cette vidéo-là vous l'aurez dans l'après-midi, je pense, hein, parce que autrement, j'ai à part le jeudi, j'ai pas d'autres créneaux et j'ai envie de vous mettre une autre vidéo à cette place-là. Donc après, pourquoi l'après-midi? Parce que voilà, c'est pas des vidéos toutes les semaines, ça sera pas une, il y aura pas d'ouverture de colis toutes les semaines pour le coup. Donc pour le coup, voilà, ça sera en doublon quelque part dans la semaine. Après, je vais essayer peut-être de le fixer un jour. Donc, quand j'en ai tourné une, elle sortira exactement le même jour qu'elle est sortie, par exemple, en début de mois, le mois dernier. Pas le même jour, la même date, hein, évidemment, mais voilà, le même jour, quoi. Si je la sors un mardi, ça sortira un mardi. Ou un jeudi, bon, ça sortira un jeudi. Bon, après, ça, on verra bien. Aussi bien si j'ai le temps de la si je l'ai suivant l'heure que je finis de la monter, si j'ai le temps je la sortirai tout de suite, si j'ai le temps je la sortirai tout de suite, et puis bah, comme ça au moins ce sera fait, vous pourrez la voir tout de suite. Après vu que c'est des vidéos entre guillemets pour l'instant exceptionnelles, c'est pas des vidéos qui seront qui ira systématiquement toutes les semaines, donc du coup voilà, ça va être le petit plaisir entre guillemets. Mais par contre la vidéo que vous aurez le jeudi, pour le coup, ça vous avez plus de chances d'en avoir plus souvent. Après, peut-être toutes les semaines, c'est moins sûr. Ça dépendra les idées que j'ai, à vous faire, et aussi le temps que j'ai, parce que ça peut arriver. Parce que souvent, il y a pas mal en ce moment, ça m'arrange pas mal que le jeudi, j'ai pas de vidéo à tourner. Comme ça, bah, ça me permet déjà de me reposer, déjà de faire aussi autre chose, que ce soit pour la chaîne ou pour mon perso. Ça m'aide beaucoup vu que le week-end, bah, j'ai pas de week-end tout simplement, à part l'après-midi, mais bon l'après-midi ça passe très vite vu que Ingrid ne bosse plus le vendredi soir sur son deuxième contrat, elle bosse le samedi après-midi sur son contrat, son patron lui a donné l'autorisation de faire comme ça, donc pour le coup, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour nous l'après-midi, et en ce moment, pour ceux qui le savent, on a un hivernage à préparer pour les chevaux, donc ça nous prend beaucoup de temps. Et le samedi après-midi, et c'est pour ça que en ce moment vous avez pas de live le samedi, vous avez pas de live le samedi après-midi ni le dimanche après-midi comme avant, parce qu'on est énormément occupé, et c'est pour, mais bon, le live du soir il sera quand même là, à part si vraiment j'ai une grosse couille, je ne peux pas faire comme je ne peux pas faire le live parce que pour une raison X ou Y. Si je peux vous tenir au courant, je vous tiendrai au courant sur le Discord, donc les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien se trouve juste en dessous. Tous les autres liens de la page également, donc le blog, le blog, la page Facebook, Instagram, Twitter et le Snapchat aussi. Je crois qu'il est le Snapchat de la chaîne, je crois qu'il y est aussi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur toutes les pages officielles. Après, il y a certaines pages, je suis moins actif que d'autres. Hein, par exemple, sur Instagram, je suis pas aussi actif que sur Snap ou la page Facebook. Pour le coup, pardon. Sur Twitter, je suis quasiment pas actif. Mais bon. Si vous voulez me suivre sur toutes les pages, n'hésitez pas. Ce sera avec un grand plaisir. Et aussi bah, sur Discord, c'est là où je suis le plus actif, où je réponds quasiment pas systématiquement, mais très très rapidement. Généralement, avant la fin de la journée, je vous ai répondu, logiquement. Après, ça dépend ce que je fais. Après, si je suis en tournage extérieur, je risque pas de vous répondre, ça c'est clair, parce que j'ai pas internet en dehors de chez moi, donc automatiquement je peux pas vous répondre, mais ça pourrait peut-être changer. Il faut que je vois ça, parce que les tarifs ça change du simple au double juste pour avoir internet. Hein. Donc c'est ça qui casse-couille. Donc je vais me renseigner pour ça, et pour le coup, voilà, je pense que tout est dit pour cette vidéo à peu près. Ah, les petits changements de la chaîne. Voilà, c'est les petits changements qu'il va y avoir. Au fur et à mesure, vous allez avoir du contenu, beaucoup de contenu supplémentaire. Pour le coup, après, c'est possible qu'il y a, suivant le contenu que je veux mettre en place, le nouveau contenu que je veux mettre en place, c'est possible que je n'ai pas le temps de tourner la vidéo qui est censée tourner le matin. Par exemple, si je tourne
Gene Colan ici, par exemple, la série TP que je vous ai faite hier, la nouvelle série, si par exemple, j'ai pas le temps de la tourner, mais que j'ai un truc, entre guillemets, qui passe prioritaire sur la chaîne, à tourner, donc ça sera automatiquement la vidéo prioritaire que vous aurez, mais vous aurez pas le, vous aurez pas la, la série TP. Mais bon, pour l'instant, ça risque pas d'arriver, tout simplement pourquoi? Parce que voilà, c'est, j'arrive à m'organiser, je suis tranquille, j'arrive à m'organiser très bien. Bon, c'est vrai que le montage, par exemple, comme la vidéo d'hier, par exemple, le montage m'a pris toute l'après-midi. Je vous mens pas, je vous jure que ça m'a pris toute l'après-midi. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais c'est vrai que j'étais pas mal dérangé. Donc du coup, bah voilà, j'étais coupé pour une raison ou une autre. Donc du coup, ça, j'avançais pas, et puis voilà, ça m'a, c'est ce qui m'a fait perdre énormément de temps. Donc j'espère qu'aujourd'hui, pour cette vidéo là, je vais pas mettre autant de temps, parce que j'aimerais bien tourner au moins deux vidéos aujourd'hui, et j'ai un doute. Donc vu l'heure que je vois qui passe, il est déjà presque 13h les amis. Et vu que Ingrid ça pose à 14h, il faut que j'aille la chercher à 14h. Donc déjà, à mon avis, je pense que le montage de cette vidéo là, j'aurai pas le temps de la faire avant d'aller la chercher, pour le coup. Donc du coup, je pense que je vais me faire un légèrement troll. Mais c'est pas grave, après bon, voilà, c'est non plus, merde, il me faut pas non plus une heure pour aller, il faut pas non plus une heure pour aller la chercher, ça c'est sûr et certain, 20 minutes, maximum 20 minutes aller-retour, mais bon, comme souvent, j'attends un petit peu, je suis obligé d'attendre un petit peu avant qu'elle arrive, parce que voilà, soit elle a des choses à faire, elle a des trucs pas prévus. Enfin, pas prévu. Voilà, c'est le boulot. Hein, si vous pouvez pas arrêter forcément pile à l'heure ce que vous avez, ce que vous êtes en train de faire, et bah, pour le coup, il faut bien que vous faites. Enfin, il faut bien que vous finissiez ce que vous avez commencé, surtout dans le travail qu'elle fait. Hop. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire une petite lignée vite fait. Allez, ouais. Normalement, je dois tourner 40 minutes de vidéo pour arriver dans les temps de 30 minutes. Donc, on a le temps d'en arracher une. D'en arracher une lignée, donc on va pas se gêner, on va en arracher une bonne lignée. Comme diraient certains, on va s'en arracher une bonne chier. Donc j'espère que là, ça va me permettre de passer à côté. J'espère que j'ai passé à côté de l'arbre. Ça passera pas. Bon bah tant pis, ce qu'il y a de ce côté là, au pire je le ferai dans l'autre sens. J'aurais dû commencer dans l'autre sens d'ailleurs, j'aurais pas dû aller dans ce sens là. J'ai pas été malin, mais bon, c'est pas grave. Hop, on remet tout ça en place. Donc pour le coup, on va faire demi-tour. Bon, je pense qu'à la fin, je pense que je ferai le détour, je referai le détourage dans l'autre sens à la fin. Comme ça, au moins, tout sera ramassé. Parce que là, on voit vraiment que j'ai fait du n'importe quoi avec le broyeur devant. Donc, voilà, voilà. Bon, sur ce, les amis, nous, là-dessus, on va se laisser. Rendez-vous au prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pour le coup. J'espère que la série continue à vous plaire. Donc, n'hésitez pas à commenter un maximum. N'hésitez pas à communiquer, j'adore ça. Et pour le coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Le bordel va s'activer quelque part par là-bas, là. Et le petit pouce bleu qui va avec. Et puis, sur ce, moi, je vous dis... Let's dance, 'cause tonight we're fire, break out. Going straight to the top, let's dance.